écoute et perçois ce message comme une étincelle d'espoir. C'est l'histoire de Théo. Il a 3 ans et demi et habite à Saint-Quentin. Il est né prématuré. À cause d'une malformation, il est né avec ses intestins à l'extérieur de son abdomen. Le bébé a donc dû passer ses 8 premiers mois à l'hôpital et il a subi 8 opérations pour pouvoir manger comme tout le monde. Aujourd'hui, il est atteint d'une diplégie spastique. C'est une maladie neurologique qui lui paralyse les jambes. Son rêve serait de pouvoir marcher. Pour ça, il a besoin d'une intervention chirurgicale, non pratiquée en France et non prise en charge malheureusement. Mais cet espoir est là, de l'autre côté de nos frontières, en Espagne, à Barcelone. Le problème est le coût de cette opération, qui s'élève à 5000 euros. Ses parents ont lancé un appel aux dons. Pour aider Théo, rendez-vous sur le www.theo.relaisdesrêves.fr. Plus d'infos par téléphone 06 34 50 64 52. www.relaisdesrêves.fr